Attention. Merci, bienvenue pour l'invite. Faut qu'on libère avant midi. MD, c'est trop facile pour toi, boy. Je veux 4, 4, 4 pour les miens. Je suis au 4, 4. Et dans les peines de cœur, je suis dans les peines de ouf. Du coup, moi, c'est MLK Wave. J'ai 21 ans et je viens du 7-8, hein, à Vernouillet. Moi, j'ai commencé le rap en 2018. Et depuis là, ce que je fais, c'est juste que je balance des singles. Hein. Pas de. Pour l'instant, rien de particulier. Je me contente de balancer et on fait monter la sauce. C'est surtout. Enfin, je me suis un peu lancé dedans du jour au lendemain. Mais la base, on va dire, c'est que j'écoutais beaucoup de musique. Et du coup, au bout d'un moment, je sais pas, j'avais des inspirations, j'avais envie de créer. J'avais envie d'être de l'autre côté aussi un peu. Bah justement, moi je suis un caméléon, je fais de tout. D'où le nom du label. C'est quoi le nom du label ? Caméléon. En ce moment, je dirais que c'est tout ce qui est canadien, Tory Lanez, Drake. Et plus rap US quand même, hein. En vrai, plus rap US, ouais. Du coup, comme je l'ai dit dans la question précédente, il y a beaucoup de Drake, un peu Tory Lanez. En ce moment, j'écoute beaucoup Pharrell, mais surtout ses anciens albums, ses anciens projets. Lauryn Hill. Et quand même, je pourrais citer un artiste francophone, je veux dire Hamza. Mon feat de rêve. Ça a un peu curieux, hein, mais là, franchement, par rapport aux inspirations que j'ai vraiment en ce moment, je dirais quand même que c'est Drake, même si c'est pas francophone. Pour l'instant, le projet, c'est de balancer des singles jusqu'à ce que ça prenne. La dernière actualité, là, c'est Belgia qui est sorti. Et du coup, vous pouvez aller checker, c'est sur YouTube, toutes les plateformes de streaming. Tu me fais un extrait ? Comment, a cappella ? Ouais. Mon gars, tu vas mettre un extrait directement. Hein, dans la... tu vas couper le clip, en fait, tu vas mettre dans le... Ever fuck de ouf, mais je suis bise de dingue. Ça fait bosser future maman de fils de timpe. Ils ne veulent pas s'y faire, donc on les éteint. Ils ne veulent pas s'y faire, donc on les éteint. Hey, hey, chérie veut de la belle dia. Elle est bonne de ouf. Maillet todo elle dia, mais je sais qu'elle est conne de ouf. je dirais que c'est dans mon son Au jour le jour. Un des premiers sons que j'ai sorti, ça fait, c'était en 2019, je crois, début 2019. Où je dis... ah non, je crois que c'était le premier son après le premier confinement, donc 2020. Quelque chose comme ça, je sais plus. J'ai commencé à devenir celui que tu connais, influencer celui que je suis vraiment, donc je me demande qui je suis vraiment. Et ici, ce que je veux vraiment, c'est devenir le même que celui que tu connais. Pareil. C'est tout. Je suis pareil. Mais ouais, non, MLK Wave, il est pareil. Moi, je suis disponible sur Insta, MLK Wave, pareil, simple. Twitter, MLK Wave, MLKWAV simple, et sur Snapchat, MLKMeléon, MLKAMELEON. Carrément, faudra l'écrire quelque part ici, ou ici, ou ici. soyez prêts pour la suite, et tout est caméléon. Tout est caméléon, bah, c'est la mentalité, hein. En vrai, c'est parti d'un délire à la base, pour dire qu'on est des caméléons. Et au final... on a développé le truc, maintenant on s'en sert pour un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est aussi surtout par rapport à la musique, en tout cas c'est vraiment par rapport au délire de je fais de tout, j'ai une équipe, on fait ça en soum soum. On est des caméléons, tu connais. Faut qu'on libère avant midi, MD c'est trop facile pour toi, boy. Je veux 4, 4, 4 pour les miens, je suis au 4, 4. On est dans les peines de cœur, je suis dans les peines de ouf.